tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. J'ai failli me présenter avant de présenter le podcast. Bah écoute, on brand. Oh, exactement. Mais maintenant, c'est le moment de me présenter. Je suis Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour. Et pendant que mes collègues chipotent à des boutons tout en me distrayant, je vais présenter mes collègues. Voici avec moi pour de l'improvisation radiophonique, Manuel Hébert. Bonjour tout le monde. Et Hicham El Amoury. Titre. Titre, pourquoi ? Hicham El Amoury, titre. De noblesse. Oh, oh my god. C'est alors, faux. On n'a rien préparé, qu'est-ce que c'est à part des blagues d'extrêmement bon goût et des références notables. Nous sommes également... notable. Oui, je sais, je Bravo. Sais tout faire. Bravo. Suivez-moi, Z comme Zeux sur Instagram. Eh bien justement, on a préparé, c'était un podcast d'improvisation, trois improvisations de plus ou moins 30 minutes avec des coups de cœur, de la culture, du rigolage. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est lâche et rigolo. On est rigolo et lâche, on est rigolache. On est des rigopleutres. On est une espèce de rigolage. Rigopleutres. Manu, Hicham. Voilà, je sens que vous avez besoin de prendre la parole aujourd'hui. Et pour prendre la parole, on va faire une petite question saugrenue qui en réalité est un mini débat. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt apéro ou brunch ? Brunch. En sachant que le brunch, pour ceux qui ne savent pas, c'est breakfast and lunch. Donc c'est vraiment le petit déjeuner qui fait office de beaucoup de choses. Et l'apéro, bah, c'est ce qu'on sait. Donc, brunch. Pourquoi team brunch ? Parce que c'est trop bien. C'est-à-dire ? Mais je trouve ça trop chouette. Déjà, moi, je mange beaucoup le matin. Mm. Alors du coup, c'est trop chouette. Et puis, je sais pas, il y a cette ambiance où on a des très bonnes choses à manger. On peut mélanger du sucré et du salé. On a des pancakes, des crêpes, des trucs. C'est vraiment c'est trop chouette. Puis, il y a un côté très fancy. Et vraiment... Ce qui est vraiment très très cool, c'est genre, tu sais, quand on a été à un mariage ou une fête entre amis ou un truc comme ça, et le lendemain, tu te réveilles et tu fais un brunch. Tu vois, tout le monde a un peu la tête dans le cul, mais du coup, on se réveille petit à petit en mangeant plein de bonnes choses et tout. C'est vraiment trop chouette. Mmh. Et toi, Hicham ? J'ai l'impression que ma vraie team, c'est aucun des deux. Ah ! Parce que soit je vais boire des bières, soit c'est plus apéro, mais le truc, c'est que. Si c'est apéro, c'est genre on va jouer des jeux de société et donc on va grignoter des saloperies. Donc c'est pas vraiment apéro. C'est ça peut compter. Parce qu'on est occupé. C'est une para-activité de quelque chose d'autre. Mmh. C'est un peu ça le truc, c'est que le brunch et l'apéro sont deux activités en soi. Et moi, c'est plutôt que je peux faire du jeu de société en matinée et on va grignoter avec. Ou alors on fait des jeux de société le soir et on va. Ouais, donc c'est plus ça. En fait, c'est grignotage, quoi. C'est plus que ça en tant qu'activité, ça me paraît bizarre. Je vois. Et toi, Ise ? Je suis team brunch. Déjà, je suis pas très alcool, sauf si c'est d'excellents cocktails. Mais de manière générale, je suis plus à boire des boissons chaudes et j'ai vraiment une sweet tooth, donc ça m'arrange beaucoup les brunchs. J'aime beaucoup beaucoup ça. C'est voilà. Manger, en fait. C'est comme un goûter d'anniversaire, mais le matin. C'est tellement une bonne définition. Ça, oui, là, je trouve, en fait, c'est le truc. Ah ouais, je comprends pourquoi ils aiment ça, en fait. D'un coup, tout fait sens. Et voilà. Tu vois, Ise, t'as voulu créer la tension du débat, et finalement... Finalement, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie du grand rire. C'est l'évidence, plutôt. Oui. Ça. Et pour vous, brunch ou apéro, dites-nous tout en commentaire. Ah non, non. Quoi qu'il en soit, assez parlé de Boostify, parlons plutôt improvisaille et je vais vous inviter à improvisoyons ensemble avec notre première catégorie qui est une interview sportive. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les interviews, chacun d'entre nous est responsable d'un type d'interview. Nous avons les interviews littéraires avec Manu, bonjour. Les interviews scientifiques avec Hicham. La science. Et les interviews sportives avec moi, le sport. C'est-à-dire que je vais donner le nom d'un sport et parfois de sportif et de sportive. Et à partir de là, vous devez faire simplement une improvisation d'une interview de ce sportif ou de cette sportive. Je l'ai déjà dit. En tout cas, sans connaître ce sport parce qu'il est un peu saugrenu.
Et aujourd'hui, je vais vérifier que je le dis bien. Je vous propose... Le dit-elle bien? J'espère. Dites-le nous en commentaire. Je vous propose le sport qui s'appelle le kabaddi. Kabaddi. Le kabaddi. Oh, le kabaddi qui veut dire... What? Je vais quand même vous donner la traduction. Comme ça, vous avez quand même un petit indice. Moi, je suis chaud d'y aller. Ouais. Le kabaddi. Oui, sans, ouais. Ok. Ah bah d'accord. Juste comme YOLO. Ça. Eh bien, une interview sportive et le kabaddi, c'est parti. Eh bien, bonjour. Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle émission qui se veut à la fois, eh bien, distractive et instructante. Et dans cette nouvelle édition distractive et instructante, nous recevons une personne formidable que je vais laisser se présenter parce que je n'ai pas la prétention de la présenter mieux qu'elle ne pourrait se présenter elle-même. Alors présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Shalam Shalamouane et voilà, je suis je détiens actuellement le titre de champion de kabaddi. De kabaddi. Ouais, mais non. Bon voilà, c'est jusqu'à ce que quelqu'un d'autre l'ait. Je peux pas dire que je suis le champion de kabaddi, ce sera un peu prétentieux, j'ai envie de dire. De toute façon, notre présence sur cette terre n'est que temporaire. Mais pour revenir au kabaddi, je dois bien vous avouer que c'est un sport auquel je n'ai pas été familiarisé dans mon éducation judéo-chrétienne occidentale. Et je souhaiterais donc que vous puissiez peut-être le décrire. Déjà, il me semble que ça se joue dans les allées d'un supermarché. Exactement. En fait, il y a deux catégories. Il y a les catégories avec marchandises et sans marchandises. D'accord. Et le principe, c'est de remplir un cabas, de le vider dans un caddie, de vider le caddie dans le cabas et de revider le cabas. Mais oui, et alors ce qui est formidable, je trouve, et qui en fait finalement pourrait être d'utilité publique, c'est que le kabaddi mène à une optimisation de l'espace disponible dans le cabas et à des techniques de transfert de marchandises du cabas au caddie et inversement qui, je pense, en fait, pourrait absolument ravir la ménagère et le ménager des temps modernes. Ouais, en fait, moi surtout, je trouve que c'est une discipline populaire parce qu'en fait, c'est la réalité, une réalité fondamentale de tout un chacun, et notamment des gens qui galèrent, qui n'ont pas les moyens de faire leurs courses, qui doivent prendre le minimum d'espace, qui n'ont pas les moyens de prendre une voiture, qui doivent prendre les transports en commun, et donc. Transfert kaba, kadi kaba, c'est... Mais alors justement, bon, alors peut-être qu'en tant que champion, cet aspect de votre vie a changé, mais comment est-ce que, alors que comme activité sportive principale, vous transférez des marchandises d'un kaba à un kadi dans les allées d'un supermarché, comment est-ce qu'on fait ces courses? Est-ce que ça a changé la manière dont vous faites vos courses? Est-ce que vous voyez le fait de faire ces courses différemment maintenant que vous pratiquez le kabaddi? Bah, en fait, c'est plutôt que c'est ma façon de pratiquer les courses qui a changé ma façon de faire le kabaddi, vu que j'ai pas de qualification, je suis pas entraîné, je suis juste, un père de famille qui essaye de nourrir ses enfants. Ah oui. Et comment est-ce qu'on devient kabaddeur? Kabaddiste. Kabaddiste. Comment est-ce qu'on devient kabaddiste? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que c'est sur le tas? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les allées des supermarchés en train de... J'ai envie de dire avant tout, c'est un esprit militant de nourrir ses enfants. Et parce que je suis un père de famille, j'essaie de nourrir mes enfants. Et vous travaillez dans une banque alimentaire? Non. Non? Non. Je suis un père de famille et j'ai nourri mes enfants. J'ai fait le signe de « on conclut ». Manu a instantanément appuyé sur le... J'ai conclu. Tu as conclu. Le kabaddi, du coup... Mais vraiment, au moment où tu l'as dit, j'ai pensé à ça hier soir. Kaba et kadi. Kabaddi. Kabaddi. Ça fait sens. Pour vous, c'est vraiment ça? Ou vous avez une autre théorie sur le sujet? Oui, il n'y a aucune autre. Ce n'est pas du tout là, un mot tout à fait respectable d'une autre langue qu'on a piétiné, foulé au pied. Ah... Eh bien, le kabaddi, ça vient effectivement de l'hindi. C'est un sport indien qui... Ça vient tout d'un coup très gênant. Non, 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 non. C'est, c'est,
Ça jette un tout autre éclairage sur cet impro. C'est un sport qui est apparemment très populaire en Asie du Sud et du Sud-Est, et même un peu plus loin. Et ça veut dire retenir son souffle. De quoi s'agit-il? Le cabanier les gens oppose... pètent et non. Ouais, ils pètent et comme ça, ils se propulsent de l'autre côté du terrain. Le cabanier oppose deux équipes de 12 joueurs. 7 sont sur le terrain en même temps et les 5 autres sont des remplaçants. Le match dure 2 fois 20 minutes pour les hommes et 2 fois 15 minutes pour les femmes. Et le but, c'est de toucher qu'une personne touche toutes les autres en retenant son souffle. Et pour ce faire, il doit chanter « Kabadi !» tout du long. Pour être sûr qu'il retient son souffle et qu'il ne prend pas sa respiration, il doit dire « Kabadi » pendant qu'il touche tout le monde. Et les autres essayent de l'éjecter du terrain. Mais les autres doivent retenir leur souffle aussi ? Non, juste la personne qui essaie de toucher les autres. Ça me paraît, wow. C'est ça formidable. Me paraît, ouais, j'ai du mal à concevoir comment ça se passe. Mais... Bah, c'est plus ou moins entre de la lutte, du touche-touche et du « si tu m'embêtes, j'arrête de respirer ». Mais donc plus concrètement... Et du chant. Mais quoi, du coup, il y a des gens qui genre bloquent d'autres gens pour permettre à, leur, à la personne qui fait kabaddi d'aller les toucher. Les 7 qui sont là essaient de bloquer. Ça doit être méga physique, en fait. C'est hyper physique. Il y a des portées. J'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube. Oh, wow. Voilà. Retenir son souffle. Kabaddi. Après le sport des Japonais qui devait faire pencher un mât. Oh oui, le mât. Où ils sont à 107 par équipe ou je sais pas quoi, là. Ou l'ultimate taser ball. Ou l'ultimate taser ball qui est vraiment juste un mashup. Où ils se lasent les balls, précisément. Moi, ça m'impressionne parce que j'avais jamais entendu parler d'un sport où tu devais retenir ton souffle autre que l'apnée. C'est vrai. Sous l'eau, quoi. C'est vraiment sur terre, tu te dis, non seulement je vais faire de la lutte, non seulement je vais faire un sport collectif, mais je vais faire ça en retenant mon souffle. Et ça, c'est beau. Eh bien, les amis, il est déjà temps de passer à notre deuxième improvisation du jour. Waouh! Mais oui! Tout à fait. Nous sommes tout à fait synchro, Manu, hein, mais dans, oui. notre épuisement. Nous avons synchronisé. Nous avons synchronisé nos gros bâillements pendant qu'elle dit et les amis, Vous me dites, tu vous fais chier, hein? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec toi, tu le sais. Et Hicham, c'est à toi. C'est à moi! Nous allons faire une chanson. Izo et Manu vont chanter une chanson par-dessus une instrumentale gratuite trouvée sur les internets. Et oui, wouhou, yahoo, wouhou, madame. Ah ouais, ça y est, on sent que le gouffre de des troubles de l'attention nous le a réenveloppé. Précisément ce que je disais. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis Proust. Je suis Prest. Vous êtes Proust, mais je cherche Izo Brassel. Ah, désolé, elle n'est pas là. Ah, c'est fini. Elle a pas de talent, alors je l'ai remplacée. C'est parti. Ah oui, non, pardon, un petit mot. Oui, c'est quand la même. C'est la fin des haricots, là. Hein. C'est la fin. Oh, bah, j'aime bien ça. Et votre mot sera miette. Miette. Miette, miette. 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 Non, miette. Bon, un autre mot alors, tu veux non, pas miette. Miette, miette, c'est okay, très bien. D'accord. C'est parti. T'avais dit y aura un gâteau au chocolat, au chocolat. Mais y avait plus de farine. Oh non. J'avais plus de quoi faire la cuisine. Alors j'ai amené des petites miettes de pain pour des toi, miettes de pain mon pour copain. Moi. Des miettes de pain. Mais comment veux-tu que ça me nourrisse, que ça me grandisse, des miettes de pain? Des miettes de pain. Des miettes de pain.
que moi je veux bien construire quelque chose ensemble, mais si c'est sur des miettes, moi je peux pas faire semblant. Non, 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 je peux pas faire semblant. J'ai besoin de quelque chose de concret, tu vois. Un truc qu'on construise, un truc qu'on élève. Attends, attends, j'ai peut-être que des miettes à t'offrir, mais regarde cependant la vérité que je peux t'offrir. Je suis plus que des miettes, je suis plus que des miettes, je suis plus qu'un cadeau, quelque chose à t'offrir. Des miettes de je pain. Je suis pas que des miettes, tu m'as fait des miettes je de suis pain. Plus que des miettes, tu m'as offert pas seulement un moi j'ai cadeau. Besoin de concret, de solide à construire avec je toi pour nous. À comprendre. Vraiment ? Ces miettes, c'est ce qui reste de ce que t'as construit avant, de ce que les autres ont écrasé en morceaux. Alors, et si on les mettait ensemble et on faisait quelque chose de beau, quelque chose de bizarre, mais quelque chose qui nous ressemble ensemble avec. Un petit tas. Un tout petit tas. Et puis on mettra un peu d'eau et ça fera un peu de pâte et avec ça on pourra se faire un petit gâteau au chocolat. C'est toi le gâteau au chocolat. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi. C'est toi. T'es plus qu'un gâteau au chocolat. T'es plus que des miettes. Moi, je les veux bien. Oh là là. Oh. 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 Non. Oh. Ah. Chouette. Chouette, chouette, chouette. On est d'accord chouette, que Manu voulait suggérer à la base que Iseu avait tout bouffé toute seule. Oui. Ma. Mais Iseu a décidé d'en faire une love song. Ça allait... J'avais pas entendu ça. Manu, arrête. C'est toi qui fais ça à chaque fois. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis non, tout à fait prêt à parler d'autres choses et puis les concours, gens... C'était surtout un concours de genre, non, c'est moi qui suis plus triste. Non, tu allais pas manger tout le gâteau au chocolat. Non, je n'ai pas de farine pour faire de la nourriture. Non. Non. Wow, non, wow, 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 wow. Oh non, wow. Non, 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 non. Oh non, 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 non. Et au final. C'est l'amour qui gagne. On a fait du bodying ensemble. Bodying. Bodying à du poney. Et c'est beau, parce que c'est bon le bodying. C'est beau. Il paraît. C'est très très bon. Ça colle au bodying. La boulangerie près de chez moi. Ah oui. Ah oui, toi t'as détesté. J'ai vraiment essayé pendant un moment de faire. Et puis en fait au début j'étais et puis j'ai fait et puis il fait oh, non. Oui. J'ai vu cette aide successive d'Iseu Marcel. Et à la fin j'ai fait Iseu, tu n'es pas obligé de tout manger. Fait, merci. Et elle m'a rendu mon body. Si tu l'avais acheté pour moi, et je suis très touchée. On dirait que vous parlez d'un body. Oui. Elle m'a rendu mon body. Elle m'a rendu mon body. Après avoir essayé de l'aimer, mais elle n'a pas aimé mon body. Désolé. Il était trop serrant. En parlant de trop serrant, bon, c'est la troisième improvisation. C'est vrai, moi aussi ça me fait penser trop serrant à la campagne JDR du moment. et oui, Fruline et le paladin Asens. Oh. On les a laissés il y a un bon petit moment, parce que rappelez-vous, on était censé faire la suite, mais j'avais plus de voix, donc ces épisodes-là ont été supprimés. Ah, la fin de la saison 4, c'était tout un chaos. Oui, c'est vrai que c'était compliqué, mais on s'en est sortis, on est là. On dirait une vraie plus campagne grand, de JDR des gens qui ont pas réussi oui, ça à s'en c'est vrai. C'est clair. La suite. Où il y a la malédiction de l'été. On va faire un time skip. Ouais. Mais en même temps, on s'était quitté sur un beau cliffhanger. Alors, petit rappel pour les personnes qui n'auraient pas tout suivi. D'un côté, nous avons Fruline,
Fruline est sujet à des accès de colère depuis qu'il a rencontré un démon du premier cercle qui lui a demandé son aide et qui peut-être le possède un petit peu. En tout cas, Fruline souhaite devenir paladin. C'est, ou en tout cas, c'était jusqu'à très récemment l'apprenti paladin de la paladin Ascens. C'est moi. Qui l'avait emmené pour jurer calme et paix à l'ordre des paladins. Mais récemment, la paladin Ascens a renvoyé Fruline. Elle assure la paix depuis plus de 100 ans. Elle sait que l'ordre des paladins a fait un pacte avec les démons et les forces du mal. Tant que les forces du mal et les démons ne dépassent pas le plateau de l'apaisement, elles peuvent occuper les terres à l'ouest, tandis que l'ordre des paladins régit tout ce qui se passe à l'est. Absolument shady. C'est vrai. Leur motto, le bien dans la lumière dans le bien, et cette recherche de paix et d'équilibre qui est absolument impossible à mettre ensemble avec les accès de colère de Fruline. Le paladin Ascens l'a donc renvoyé. Nous ne savons pas où Fruline est partie, mais alors que Fruline quittait le village, la rebouteuse qui avait soigné le paladin Ascens est revenue la voir et lui a dit « Mais rappelez-vous... Rappelez-vous que tout est écrit, que les écrits disent qu'un être de colère possédé par la colère rétablira l'ordre de l'autre côté du plateau. Alors, qu'est-il arrivé à Fruline ? Je vous propose de centrer cet épisode sur les aventures de Fruline une fois qu'il a quitté ce village. Hanté, possédé, accompagné par ce démon du premier cercle, alors que tout ce à quoi il comptait dédier sa vie s'est écrasé sous ses pas récemment. Votre mot sera... Votre mot sera gant. 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 Et donc, pour rappel, régulièrement, je peux vous interrompre, lancer un dé et voir ce qui se passe. C'est un nouvel épisode de la campagne JDR du moment. C'est parti. J'ai laissé mon barda dans le village. Je ne méritais pas ma carte, je ne méritais pas mon barda. Qu'est-ce qui se passe? Bouger! Qu'est-ce que tu faisais sur le sol? En boule? J'étais assis. Vous êtes qui? Qu'est-ce que... Ben, qu'est-ce que tu es toi? T'es clairement pas de la région. Je m'appelle Fruline. Et j'étais un apprenti paladin, mais... Je... Fruline? Et quoi? Tu fais partie des le bien, la lumière, tout ça? T'es apaisé? C'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est super. C'est tout ce que j'ai voulu toujours être et je le serai jamais. Ok, je le serai jamais. Ah, stop! Une première crise de colère de Fruline. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh, ça va mal se passer pour Fruline, cette crise de colère. Attention, on continue. Ne t'en fais pas, je suis comme toi, prends-moi la griffe. Prends-moi la griffe. Fruline. C'est l'un des miens qui est face à toi. Il faut que tu le suives. Il pourra sans doute t'aider, nous aider. Fruline, suis-le. Prends-moi la griffe. Non, string.
Mais t'es dingue, ma griffe. Tu es un démon. Bah oui, comme toi. Je suis pas un démon, je suis. Il est juste là et c'est pas moi, c'est pas moi. T'as rien d'un humain. Moi, je sais ce que c'est un humain, t'as rien d'un humain, t'es un démon, moi, je te le dis. T'es pas un humain non plus, t'es quoi? T'es un lutin, Je m'appelle Rusa et je suis semi-démon, figure-toi. Ah, ça te fait que ça. Où est mon eau bénite? De l'eau bénite? Bon, enfin, c'est bon. C'est plutôt bon. Oh non, c'était monté. Ah, mais de l'eau bénite! Oh, alors, il est temps de lancer un dé alors que Fruline tente de s'enfuir. Je sais pas, moi. Tu m'en poses des questions. Moi, je fais que lancer de l'eau bénite sur des semi-démons. Eh bien, donc, Fruline tente de s'enfuir loin de la semi-démone, et attention, que va-t-il se passer? Eh bien, Fruline va réussir à s'enfuir loin de la semi-démone, et nous allons récupérer Fruline alors qu'il a trouvé un endroit où passer une nuit qui s'annonce humide et sombre, seul dans cette forêt perdue. Je vais mettre sous ce tronc d'arbre. Mais t'es sûr qu'il faut le... Il est comme nous, il a l'air quand même... Écoute, moi, je te le dis, j'ai vu, il y avait un démon en lui. Donc fatalement, c'est un des nôtres. Mais il pue la lumière, là. Mais je sais, il pue la lumière, tu crois quoi? Mais regarde ce qu'il t'a fait, il t'a bien amoché quand même. Exactement. Est-ce qu'un gars à la lumière ferait ça? C'est pas faux, ça. Allez, viens, Ruzo, faut y aller. Attends, tu as dit que tu sentais la lumière par où? Juste là. Mais c'est un vieil orme. Pousse-le un peu. Il dort encore. Il faut qu'on éveille son démon avant qu'il se réveille, non? Attends. Moi, je dis, on sait toujours les intentions de quelqu'un quand cette personne rêve. Tu veux aller dans son rêve? Mais oui, on va aller dans son rêve. Bon, vas-y, moi je monte la garde ici. Masafiastae. Ah non, des démons! Ah non, pas le Dazes, mais pourquoi êtes-vous devenu? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Je ne peux pas vous combattre, les démons! Ça va? Il essaie de combattre son démon. C'est pour ça qu'il est à moitié bizarre. Ah mais il faut le... On va quand même pas l'apaiser. Oh mon Dieu, oui, ce serait bizarre. Au contraire, on va l'aider à apprécier c'est quoi être un démon. Allez, debout là-dedans. Les gars, ah, la lumière dans la bière. Et comment va se passer cette tentative d'apprécier ce qui est bien? Ouf. Alors ça va très très mal se passer. Pour qui? Pour alors Ruzo, j'ai fait un sur le jet, donc pour qui? Pour la semi-démone. Ah oui, tout le monde. Voilà, tout ça va très très mal se passer. Il va se passer des trucs vraiment horribles pour tout le monde. Ok, très bien. Déjà, pas cool l'eau bénite. Ça va? Ça c'est pas cool. Démon. Mais oui, exactement, t'es un démon. Alors vas-y, lâche-toi, crie toute ta rage. Je suis pas un démon, je suis un paladin, je devrais être dans mon monastère en train de recevoir mon esprit et mon esprit. Tu n'avanceras pas si tu relâches pas ta force complètement. Relâche-toi. Lisa, il est en train de se passer quelque chose là. Exactement. Il y a la terre qui s'ouvre. Mais tant mieux, non? Waouh! Ok. On a des nouveaux personnages et tout! Ok. C'est un très beau cliffhanger. Ce beau monde est. Cliff down. Enfin. Ah oui. Cliff faller. Ouais, ils tiennent pas vraiment la cliff là. Ouais. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Elle est vraiment faute dans cette vidéo. Oui, c'est trop chou. Eh bien, vous le saurez au prochain épisode! Oui! Et puis. Aussi, pendant ce temps-là, que fait le paladin Ascens? Est-ce qu'elle est pleine de remords et qu'elle cherche Fruline? Est-ce qu'elle elle rentre alors des paladins? Elle est chez Ido, ça fond. Ouais. Elle est en train de faire des saloperies. Ouais. Mmh.
Eh bien, en parlant de saloperie dans un coin, passons au coup de cœur. Pardon, ouais. Ah, ok, d'accord. Non, non. Et maintenant, chers auditeuristes, nous allons passer, puisque les improvisations sont terminées, le podcast se conclut avec les coups de cœur de chacun, chacune. C'est-à-dire que nous pouvons avoir un coup de cœur pour quelque chose de précis dans la vie, culturel ou pas. Mais en tout cas, nous allons l'expliquer et vous le partager. Hicham, quel est ton coup de cœur aujourd'hui ? Ah, c'est moi qui commence ? Oui, comme ça je conclue en beauté. Ok, eh bien d'accord. Eh bien, je vais vous parler d'un jeu vidéo. On va alterner, à mon avis, entre les films, jeux vidéo, chaîne YouTube comme d'habitude. Hein. On a chacun ses trucs. Et je vais vous parler de Dave the Diver. C'est un jeu vidéo qui est développé et publié par le studio Mint Rocket. C'est un studio indépendant qui a tout publié tout seul. C'est pas mal. Et qui est sorti fin juin dernier. Donc très récent comme jeu. Et c'est un jeu de vibe, on va dire, où on fait principalement deux choses. Deux choses. On plonge dans un lagon pour explorer et chasser des poissons de toutes les tailles, du plus petit minuscule machin jusqu'à des créatures préhistoriques géantes ressuscitées. Et d'un autre côté, on gère un restaurant de sushi où on vend les poissons qu'on pêche. C'est un jeu avec une super vibe. Il y a une très bonne musique, un sound design super cool, des graphismes en pixel art très soignés. Il y a plein de persos complètement débiles qui disent plein de bêtises où ils ont plein de cutscenes super pétées, toujours faites en pixel art vachement rigolotes. Il y a plein de mini-jeux complètement saugrenus et une histoire qui n'est pas incroyable, voilà, mais qui est cocasse et un gameplay fondamental qui est vraiment assez cool. Vraiment, la pêche et la collection des poissons, c'est vraiment sympa. Il y a tout le mécanisme d'exploration et il y a la mécanique de gestion de resto qui est vraiment super prenante, notamment sur gestion des stocks, comment je peux faire ces plats. Alors, il faut que je chope ces poissons-là, oui. Et qu'est-ce qui me rapporte des plus grosses marges ou qu'est-ce qui a la valeur, tout ça. Et je pense que d'office, c'est les devs qui ont fait ça. Ils ont joué à Echo the Dolphin. Ils ont joué à Stardew Valley, ils ont joué à WarioWare. Ça, c'est les trois trucs, je suis sûr qu'ils y ont joué. Vu les... Et c'est bizarre comme mélange, mais en vrai, ça marche. Mais, ce jeu n'est pas parfait. Et je pense que c'est un peu pour ça que je voulais en parler. Parce que là où, en tant que jeu vidéo, il réussit, il échoue à ce que je dirais être une Gesamtkunstwerk, une œuvre d'art totale, selon le concept esthétique issu du romantisme allemand. Qui, pour moi, c'est un jeu qui a un très bon truc, mais qui échoue dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il veut dire, dans sa philosophie et dans sa politique, je dirais presque. Parce que le personnage central est très gentil, il y a plein de personnages un peu quirky, ils font « Oh, mais je suis juste un gars qui pêche, et je veux de mon restaurant de sushi. » Et en fait, le mec, son interaction principale avec la mère qui l'admire tant, c'est de massacrer tous les poissons qu'il voit. « Ah, ce poisson est rare, tuez-le ! Allô, au lance-grenade !» et que derrière, la seule organisation environnementale dedans, par exemple, c'est des gros malades ultra violents qui, selon les termes des personnages dans le jeu, n'embêtent que les petites structures et n'embêtent pas les grosses compagnies qui pêchent et eux-mêmes en fait font du trafic de poissons. Et je suis un peu genre, vous rendez compte de l'incohérence de ce que vous dites dans votre histoire ? Et qu'au final, en fait, c'est aussi ultra-capitaliste parce qu'on fait les plats qui rapportent le plus de thunas et qu'on ouvre une succursale. Bref. Donc, un jeu très chouette, à la politique un peu foirée, mais que je vous encourage tout de même à jouer parce que c'est un très, très beau jeu et je trouve que c'est très intéressant de voir des œuvres imparfaites. Voilà. Mais merci, Hicham. Je vous en prie. Manu, quel est ton coup de cœur ? Mais c'est toi d'abord, non ? Je le dirai à la fin. Très bien. Eh bien, moi, ça va être aussi un jeu vidéo. Oh ! Bon. Sur mes plates-bandes. Qui a aussi un gros rapport avec l'environnement. Mes pétunias. Oh ! C'est Terranil. Alors, Terranil, donc, c'est un jeu qui a été développé par Free Lives et édité par Devolver Digital. C'est un jeu qui... En fait, c'est un city builder. Donc, c'est un jeu où on construit une ville avec un twist très, très intéressant. Qui est qu'en gros, on joue une espèce d'agence spatiale qui vient sur une planète pour recréer des écosystèmes viables. Donc c'est une planète qui a été absolument dévastée, sur laquelle il n'y a plus grand-chose qui fonctionne ou qui pousse. Et en fait, on va créer
des terres fertiles, ce qui vont permettre après de créer différents biotopes selon, hop, là on va faire des petits marécages, et puis ah, ben là on va faire pousser des forêts, et puis on va faire brûler les forêts, comme ça, ça va faire des trucs très fertiles où on va pouvoir faire pousser d'autres trucs dessus, etc. Et au final, au bout d'un moment, on peut en fait mettre des espèces de petites balises qui attirent les animaux, qui viennent repeupler les environnements. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a un dernier twist qui est qu'une fois que on a mis nos bâtiments qui nous permettent de remodeler la terre, d'amener les animaux, d'amener un peu un écosystème viable dessus, et ben, la dernière phase, c'est de recycler tous ces bâtiments pour ne plus laisser de traces humaines ou de traces construites. Et puis, partir et du coup, laisser l'environnement tel quel. Alors, je trouve que d'un côté, bah, c'est vachement intéressant parce que c'est la première fois, en tout cas, que je joue à un jeu qui a un tel propos, un propos très écologiste de, voilà, on va recréer des environnements, etc. C'est, à mon avis, un jeu qui ne se veut pas un jeu trop complexe et trop prise de tête. Et donc, il y a plein de choses qui sont très, très, très simplifiées, comme par exemple, comment est-ce qu'on fait pour mettre des éoliennes un peu partout, sachant qu'en principe, les éoliennes, ça se fait en extrayant des terres rares et donc en détruisant des terres, etc. Mais tout ça, on ne va pas on va pas trop se mettre dessus. Et puis, il y a aussi ce côté où y a des écosystèmes qui, tout à coup, cohabitent ensemble et tout. C'est un peu étrange, mais le tout fonctionne bien. C'est très chouette, c'est très chill, la musique est cool. C'est quelques heures très fun et avec quand même un petit peu de complexité parce qu'il faut... Il faut un peu... en gros, à chaque fois qu'on plante des trucs ou quoi, on récupère des ressources qu'on dépense à chaque fois qu'on plante des... Enfin, qu'on met des nouveaux bâtiments ou quoi. Et donc, il faut quand même se dire, ah ben là, je vais quand même essayer de récupérer des ressources à court terme, même si ça ne m'optimise pas tout à fait. Et donc, du coup, après, machin. Et donc, il y a un côté un peu stratégie, un peu résoudre des petits puzzles que sont ces cartes. Voilà. Donc, Terranil, c'est un jeu plutôt sympathique. C'est un jeu assez chouette. Et surtout, ce que je trouve assez cool, c'est que moi, je connais peu de jeux, en tout cas, qui ont un propos frontalement écologiste et où effectivement, pour reprendre ce que tu disais, on n'a pas genre des gens qui sont des gentils, mais quand même, quand tu réfléchis deux secondes à ce qu'ils font, en fait, ils trucident quand même tout leur environnement ou ils transforment quand même tout leur environnement pour en faire un truc pour les humains. Et où, pour une fois, la nature n'est pas considérée comme un ennemi à vaincre, mais comme justement... une espèce d'équilibre à recréer, etc. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Le parallèle entre les deux choix de coup de cœur est très rigolo. Ouais, à fond. Mais j'avoue que j'hésitais entre deux coups de cœur et du coup, en entendant le tien, tu fais « Allez hop, on va plutôt aller sur celui-là ». Eh bien, merci. Eh bien, de mon côté, mon coup de cœur, c'est pour une de mes nouvelles troupes qui s'appelle « La Mélodie de l'Impro ». C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et pour l'instant, j'avoue que c'est un projet qui fonctionne plutôt bien. On a déjà eu deux dates en septembre et nous allons bientôt jouer à Halloween et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. C'est tout bientôt, c'est dans deux semaines au Trac, nous allons jouer Jukebox, qui est notre concept court, comme nous l'appelons. C'est de la comédie musicale improvisée. Et Jukebox a l'avantage d'être plein de chansons différentes des comédies musicales. Vous n'allez pas voir une longue comédie musicale, ça c'est peut-être pour plus tard, pour un autre projet, un autre spectacle, qui sait. Spoiler. Mais actuellement, nous jouons Jukebox, donc le jour d'Halloween, le 31 octobre, au Trac. Et c'est du fun, c'est plein, c'est toutes vos chansons préférées des comédies musicales. Et si vous n'aimez pas les comédies musicales, vous allez les aimer là, parce que c'est tout le concentré, toute l'efficacité avec... un petit peu de rigolage par-dessus et des paillettes. Suivez s'il vous plaît La Mélodie de l'Impro sur Facebook et Instagram et à tout bientôt pour de nouveaux spectacles. Waouh. Et bien là-dessus, nous allons terminer cet épisode. Hicham, un dernier mot pour la fin ? Je sais pas. Manu ? Eh bien, Gözamskunstwerk. Gözamskunstwerk. Twerkons le Gözamskunstwerk.